Je suis Nathalie Drache-Temam, vice-présidente recherche, innovation et sciences ouvertes à Sorbonne Université. Connaissance, bien commun, intégrité. La politique de la science ouverte concerne essentiellement trois piliers. Le premier pilier qui est l'ouverture des publications, qui sont les publications, l'ouverture des publications, donc des résultats de recherche. Donc ça, c'est un élément très important. Le deuxième pilier, c'est l'ouverture des données, des éléments qui ont permis les résultats de la publication. Alors les données au sens large, les données brutes, annotées, les méthodes. Qu'est-ce qu'on a utilisé comme méthode pour arriver à ces résultats, les logiciels. Donc ça, c'est des éléments importants qui permettent de reproduire les résultats, mais qui permettent aussi d'avancer, d'avoir vraiment une recherche incrémentale. Et le troisième pilier important, sur lequel, s'il n'existe pas, la science ouverte ne pourra pas prendre toute l'ampleur que l'on souhaite, c'est l'évaluation des chercheurs et des enseignants-chercheurs. Et que si on continue à travailler en impact factor, en quantitatif, on n'arrivera pas à faire avancer la science ouverte et qu'il faut qu'on change de façon d'évaluer les chercheurs et les enseignants-chercheurs. Il faut qu'on passe à beaucoup plus d'analyse qualitative, vraiment d'analyse des résultats de la recherche et beaucoup moins sur ces aspects quantitatifs d'analyse d'impact factor. Et ça, c'est vraiment les trois éléments importants pour faire vraiment vivre la science ouverte. La science ouverte est un changement culturel très important. Et pour qu'il puisse être porté par tous, il faut absolument que les établissements, les pays portent aussi cette politique de science ouverte. Donc ça doit être un sujet qui est porté politiquement, de façon importante, et qui s'accompagne d'un certain nombre de moyens. C'est-à-dire qu'il faut absolument mettre en place des formations de sensibilisation, des formations d'accompagnement des collègues à la science ouverte. Il faut financer des structures de type HAL, donc des archives ouvertes. Il faut financer des structures de stockage de données pour accompagner certains collègues. Donc ça nécessite à la fois un portage politique important et à la fois des moyens pour accompagner ce mouvement. La science ouverte est un bien commun. Ce sont des connaissances accumulées que l'on doit absolument pouvoir diffuser à l'ensemble des communautés, aussi bien à l'ensemble des chercheurs de toute université et de tout pays, qu'aux citoyens, qu'aux étudiants. Donc c'est vraiment un bien commun et on est responsable en tant qu'université de service public de cette diffusion très large et du fait que ces connaissances soient accessibles au plus grand nombre et le plus rapidement possible, bien sûr. Donc vraiment, ça s'inscrit dans l'idée de l'université universelle qui met à disposition de tous la connaissance. Et donc vraiment, ça s'inscrit dans l'histoire des universités. Et grâce à ce qui s'est passé au niveau du numérique, c'est vraiment un moyen d'aboutir sur cette ouverture globale, générale et à tous des connaissances. Donc Sorbonne Université a inscrit dans son projet d'établissement la science ouverte comme un élément important de sa politique scientifique. Donc c'est quelque chose sur lequel on travaille depuis 3 ans. On a créé une archive HAL Sorbonne Université pour que les collègues puissent avoir une plateforme ouverte sur laquelle ils peuvent déposer leurs publications, leurs ouvrages de façon ouverte, accessible à tous.
Par ailleurs, bien sûr, il y a d'autres possibilités de rendre accessible la science par des archives disciplinaires où certains éditeurs permettent une ouverture des publications. Donc vraiment, c'est quelque chose qui s'inscrit dans la politique de Sorbonne Université. C'est très lié aussi à tout ce qui est intégrité scientifique. Donc vraiment, ça contribue à ces éléments-là, à l'ouverture des données et puis aussi à l'intégration du citoyen dans tout ce qui est scientifique. C'est-à-dire que vraiment, ça participe aussi à tout ce qui est science participative et vraiment rendre possible une participation des citoyens professionnels ou non dans la science et dans l'appréhension de la science et donc dans une meilleure diffusion et compréhension de la science. Et aujourd'hui, on sait que c'est d'importance. On a fait, au début de ce mandat, voter une charte de la science ouverte dans nos conseils centraux, une charte qui engage les collègues à avoir des pratiques adaptées à la science ouverte, donc de diffuser le plus largement possible leurs travaux de recherche, et un engagement de l'université à mettre à disposition des collègues des moyens de rendre l'ouverture possible, donc des formations, de sensibilisation, d'appropriation de la science ouverte, d'appropriation des outils. Et donc voilà, c'est quelque chose sur lequel on s'est engagé en début de mandat, et l'idée c'est vraiment de s'engager ensemble, les collègues, les enseignants-chercheurs, les collègues des différents laboratoires, et puis l'université pour aller ensemble, pour travailler ensemble sur cette ouverture des publications par différents moyens, mais en tout cas en accompagnant la communauté dans ce mouvement. Donc le projet à 10 ans pour la science ouverte, bien sûr, on peut espérer qu'on aura de plus en plus de publications, de données, de méthodes, d'outils à disposition du plus grand nombre, ouvert à tous. Donc ça, c'est un espoir. On est à Sorbonne Université, une université quand même bien positionnée sur l'ouverture des publications. On est la première université française au classement de Leiden. Donc on a un taux d'ouverture autour de 70%, ce qui est important, de nos publications. Bien sûr, on a encore à travailler sur ces aspects. Un aspect qu'on a peu abordé, mais qu'on est en train de travailler, c'est l'ouverture des données. Ça, c'est quelque chose qui est très important pour vraiment avoir une science cumulative, pour pouvoir profiter des données des uns et des autres, voilà, pour avancer encore plus vite sur les travaux de recherche. Et puis, on espère que dans 10 ans, l'évaluation des enseignants-chercheurs et des chercheurs sera un peu différente et que ce ne sera pas des évaluations quantitatives en termes d'impact factor ou autre, mais qu'on sera vraiment dans une évaluation des travaux sur la qualité des travaux, sur l'apport réel à la science des travaux, et qu'on ne sera plus sur tous ces aspects impact factor qui sont aussi liés à l'organisation actuelle de la publication des résultats de la recherche, parce qu'on a effectivement un certain nombre d'éditeurs et de revues très reconnues dans lesquelles il est très important de publier, mais ce sont des revues non ouvertes. Et donc du coup, il faut que tout ça change, et ce qu'on espère dans 10 ans, mais c'est un travail collectif, ça ne peut pas se faire qu'au niveau de Sorbonne Université, il faut que ce soit au niveau national et au niveau international, européen bien sûr, mais on sait qu'un certain nombre d'éditeurs sont des éditeurs américains, donc il faut aussi que ça soit plus large que ça, mais voilà, dans 10 ans, l'idée, ça serait que effectivement tous les travaux en termes d'analyse des résultats, de méthodes, de données, soient ouverts à tous. Donc ça, c'est vraiment... on espère que 10 ans, ça soit la bonne durée, mais je pense que c'est possible. Il y a encore du travail. Donc, à Sorbonne Université, nous avons ouvert une plateforme HAL Sorbonne Université pour que les collègues puissent déposer leurs résultats des travaux de recherche sur cette plateforme, donc les ouvrir le plus rapidement possible à la communauté. Bien sûr, ça n'empêche pas les collègues de publier par ailleurs dans des revues fermées, mais ce qu'on leur demande, c'est à minima
donc avec 6 mois ou 1 an d'embargo, comme le dit la loi numérique française, de mettre sur halle leurs travaux. Et donc, c'est bien sûr une étape intermédiaire par rapport à une ouverture totale des résultats aussi par les publications dans les revues et dans les journaux, mais ça permet cette phase de transition. On sait très bien qu'il y a une difficulté, notamment pour les jeunes chercheurs, d'évaluation, donc on ne peut pas non plus complètement dire... on arrête la publication dans certains journaux parce qu'on sait que c'est un élément important d'évaluation. Mais voilà, en tout cas, les collègues peuvent ouvrir leur publication, même s'ils publient dans des revues fermées, ils peuvent mettre leur publication accessible à la communauté dans Halle Sorbonne Université. Et c'est ce qui permet ce mouvement, même si on sait que le chemin est encore long par rapport à ce qui se passe dans les éditeurs scientifiques privés. Et donc là, il y a des choses encore à travailler pour avoir une ouverture des publications. Mais à minima, Halle permet cette ouverture ou une archive disciplinaire. Tout est bienvenu dans l'optique d'ouvrir les publications. Alors la mise en place de Halle, et aussi d'ailleurs le travail qui est fait dans certaines disciplines, a permis d'augmenter le nombre de publications ouvertes, parce que voilà, les collègues savent qu'en plus de la publication dans la revue, dans la conférence, etc., ils peuvent aussi mettre à disposition dans Halle leurs publications. Et je pense que ça a contribué à nos résultats en termes de publications ouvertes à tous, parce que voilà, 70% de nos publications sont ouvertes. Et donc je pense que Halle a permis effectivement d'augmenter ce taux d'ouverture de nos travaux de recherche. Il y a encore à travailler sur cet aspect, mais oui, Halle, je pense, a eu un impact. Et on l'a vu dans les chiffres, au moment où on a créé cette plateforme Halle Sorbonne Université, on a vu l'augmentation importante du nombre de publications accessibles sur cette plateforme. Au niveau de Sorbonne Université, donc on a des presses Sorbonne Université. Et donc notre projet, c'est de faire évoluer ces presses vers, bien sûr, une ouverture des publications sur ces presses. Et donc, on travaille actuellement dans ce sens. Donc, ça nécessite des évolutions, bien sûr. Ensuite, il faut que ce soit des presses qui soient, on va dire, dans un modèle économique cohérent et puis qui répondent aux besoins. Donc, il y a plusieurs pistes possibles. Mettre à disposition de façon ouverte les publications, mais de permettre aussi à ceux qui le veulent d'avoir les ouvrages papier, ce qui est important, je pense que c'est... Et le travail d'édition, du coup, aussi est valorisé, c'est un sujet important. C'est aussi de pouvoir peut-être aussi avoir des presses qui correspondent à l'ensemble des thématiques que l'on développe, notamment dans nos instituts initiatives où on développe un certain nombre de projets pluridisciplinaires autour d'un certain nombre de grands enjeux de société. Donc c'est aussi d'essayer de voir comment on peut adapter ces presses. Un sujet important, c'est aussi le review des pairs ouverts, c'est-à-dire de pouvoir permettre d'avoir une ouverture des reviews de ces publications. Donc en gros, essayer de converger vers le modèle que l'on pense idéal d'ouverture des publications, d'ouverture de l'évaluation. On peut aussi imaginer des outils mis à disposition de fouilles de texte, d'indexation des publications. Donc voilà, essayer de converger vers ce qu'on imagine être assez idéal vis-à-vis de la science ouverte et de l'accompagnement des collègues dans leurs travaux de recherche. Alors aujourd'hui, il y a un rapport de force entre les établissements, les organismes de recherche et les grands éditeurs scientifiques. On essaye de construire des stratégies de négociation pertinentes et cohérentes avec ces éditeurs. Ce qui est compliqué, c'est que les collègues ont besoin d'avoir accès à ces publications, ont besoin de publier aujourd'hui, compte tenu du système d'évaluation, de publier dans ces revues. Donc c'est très difficile aujourd'hui, on est un petit peu au milieu du guet, c'est très difficile de se désabonner
parce que voilà, ça peut nuire à nos collègues. Et à la fois, si à un moment donné, on ne sort pas de la table des négociations et qu'on n'est pas d'accord sur tout ce qu'on nous propose, ça ne va pas avancer. Ça, c'est quelque chose qui, à Sorbonne, que l'on travaille à Sorbonne Université. Donc, on essaye d'avoir une politique cohérente de négociation avec les éditeurs. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, ce sont des positions un peu indépendantes et ce qu'il faudrait, c'est avoir cette cohérence et et avoir une force de frappe en s'associant établissements, organismes de recherche, en national, bien entendu, ça pourrait déjà un élément. Et puis, à l'international, il faudrait aussi avoir il y a des mouvements, ça avance, il y a encore à travailler ensemble pour pouvoir être effectivement une force de frappe dans les négociations auprès des éditeurs scientifiques. Il y a encore du travail de collaboration à mettre en œuvre. Au niveau français, il y a effectivement un mouvement assez important autour de la science ouverte. Hein. Le ministère a mis en place un plan de science ouverte. On voit que les choses commencent à se coordonner. Il y a beaucoup d'échanges de bonnes pratiques. Voilà, donc on a encore un peu à travailler sur la coordination des négociations, mais on voit qu'il y a des choses qui se passent. C'est vrai que donc, un point important, c'est aussi qu'au niveau européen, on soit coordonné. Il y a un plan S qui a été mis en place, qui notamment définit ce qu'on entend par un éditeur science ouverte compatible, on va dire. Et donc ça, c'est intéressant parce que ça permet de se mettre en cohérence sur ce qu'on attend des éditeurs scientifiques. L'idée étant de pas tout de suite dire, voilà, tout est ouvert, rien n'est payant, etc., mais d'avoir des étapes et de permettre aux éditeurs de se repositionner sur un certain temps. Et ça permet effectivement d'avancer et que les pratiques se modifient, mais dans un temps pas réduit, mais contrôlé quand même. Et donc, du coup, effectivement, le plan S peut être une bonne base pour que chaque État européen puisse avancer un peu de la même façon, avec les mêmes étapes de négociation avec les éditeurs. Ça ne spécifie rien sur ce qu'on attend des négociations en termes d'augmentation de tarifs d'abonnement, en termes de participation des enseignants-chercheurs à la publication ouverte de leur publication, etc. Donc il y a encore des choses à définir, mais bon, c'est un corpus commun sur lequel on peut s'appuyer pour des premières négociations. Donc, le mouvement de science ouverte va forcément faire évoluer les systèmes d'édition. On le voit aujourd'hui, on a des éditeurs qui commencent à ouvrir les publications. On voit bien que c'est quand même un problème économique relativement important et que ce n'est pas facile forcément pour les éditeurs de se repositionner sur un autre créneau. Il faut faire très attention que le fait de passer et de demander à un certain nombre d'éditeurs de passer publication ouverte, ne fasse pas basculer ces éditeurs sur l'exploitation des données et en fait tout le problème qu'on a eu sur les publications, le reporter sur les données et de faire en sorte que la valeur ajoutée, ça soit plus les publications mais la vente, la commercialisation des données. Donc là, on a un moment assez crucial à passer où il ne faut pas que ça se transforme en publication versus données. Donc là, il faut qu'on soit très très vigilant sur l'ouverture des données et de garder la main sur l'ouverture des données, garder la main au niveau académique national. Donc ça, c'est un point important. Ensuite, il faut voir comment, et ça, c'est le vrai enjeu, voir comment ces éditeurs se repositionnent sur leur offre commerciale. Donc on voit bien qu'il commence à avoir des choses en termes de propositions d'outils, de services, d'analyse de données, d'analyse de publications. Donc ça, c'est peut-être des choses sur lesquelles ils vont se repositionner. Une aide nationale européenne sur des éditions alternatives financées par des fonds publics pourrait aussi sans doute accélérer le mouvement par rapport à ce repositionnement des éditeurs. Donc l'idée, c'est à terme, hein, l'objectif, c'est d'avoir des publications ouvertes à tous avec des reviews ouvertes pour pouvoir mettre la connaissance à disposition de tous. Sans.
Donc, dans la science ouverte, un des éléments aussi importants d'ouverture, ce sont l'ouverture des données de la recherche, donc les données qui sont les éléments importants de base d'analyse des résultats des travaux de recherche. Donc à Sorbonne Université, nous travaillons sur cette ouverture des données. Alors, il faut voir que l'ouverture des données est un sujet plus complexe que l'ouverture des publications dans la mesure où c'est très discipline dépendant. Donc c'est dépendant des disciplines, toutes les données ne sont pas les mêmes, ne sont pas caractérisées de la même façon, toutes les disciplines ne fonctionnent pas de la même façon. On a aujourd'hui des disciplines qui sont très organisées en termes de données, qui mettent déjà leurs données à disposition de façon large. On peut penser à l'astrophysique, par exemple. Bien sûr, quand on a une sonde qui part dans l'espace, les données sont récupérées et mises à disposition de tous. Et puis, on a des disciplines qui ne s'intéressent pas du tout aujourd'hui aux données, où ce n'est pas forcément un sujet. Donc, il y a vraiment à accompagner des communautés qui en sont à des niveaux différents d'ouverture des données. Et donc ça nécessite une politique adaptée aux disciplines. Donc, à Sorbonne Université, on est en train de travailler là-dessus. Donc, on a un groupe de travail qui se réunit et qui nous fera des propositions en février pour pouvoir voir comment on avance sur l'ouverture des données. On a déjà un accompagnement assez important sur tout ce qui est plan de gestion des données. Parce que, bien sûr, aujourd'hui, à l'Europe avant, mais maintenant aussi à l'ANR, il faut faire un plan de gestion des données lorsque l'on répond aux appels à projets. Donc on accompagne, on sensibilise et on accompagne les collègues dans l'élaboration du plan de données. Mais après, du coup, il faut pouvoir le mettre en œuvre. Alors on a ouvert à partir du 1er janvier 2021 une unité de service qui s'appelle Sacado, qui est une unité de service de calcul et de données qui va mettre à disposition des collègues des espaces de stockage très importants de données et qui va les accompagner dans la structuration de leurs données afin qu'elles soient accessibles au plus grand nombre. Alors, l'ouverture des données va permettre aux collègues d'autres établissements, d'autres équipes de recherche, de les utiliser pour leurs propres travaux. Déjà, pour reproduire des travaux, ce qui est important. Souvent, on a envie, pour comprendre le système, de pouvoir reproduire les travaux et aussi de pouvoir utiliser les données d'autres dans leurs propres travaux. Donc, on a vraiment cet effet cumulatif qui est très important pour faire avancer la science. L'idée, c'est jamais de revenir en arrière. L'idée, c'est d'essayer d'avancer. Et donc, de pouvoir mettre à disposition les données, ça a vraiment cet avantage de travailler ensemble vraiment encore plus, de façon encore plus collaborative. Dans l'évolution des pratiques scientifiques que permet aujourd'hui tous les projets autour de l'intelligence artificielle, de la fouille de texte, de la fouille de données. Le fait aussi de pouvoir mettre ces données à disposition de tous permet aux collègues d'avoir des grandes bases de données, donc de plus grandes bases de données que s'ils n'avaient travaillé qu'avec leurs données, et donc de pouvoir utiliser ces nouvelles pratiques scientifiques dans l'analyse des données et donc de faire effectivement de nouvelles découvertes scientifiques à partir de cette mise en commun d'une grande masse de données. L'ouverture des données est un élément très important de toute la politique d'intégrité de la science, parce que ça permet donc de mettre l'analyse des résultats, les méthodes, la façon dont on est arrivé aux résultats et les données. Et donc chacun pourra reproduire les résultats des autres équipes, et ça permet qu'il n'y ait plus de questions qui se posent sur l'analyse des résultats. On met à disposition de tous et du coup ça permet d'être assez cohérent et clair par rapport à ces aspects d'intégrité scientifique. Pour pouvoir ouvrir les données, il faut qu'on ait à disposition des entrepôts de données pour stocker ces données. Aujourd'hui, il y a un certain nombre de disciplines qui sont organisées et qui ont des entrepôts de données partagés au niveau européen, au niveau international. Donc ça, c'est quelque chose qui existe et qui est très bien. Il va falloir voir qu'avec avec l'évolution de cette ouverture des données, on va avoir de plus en plus d'initiatives, d'entrepôts de données, disciplinaires ou autres. Donc il va falloir qu'on pense à un système qui permette de référencer tous ces entrepôts. Alors l'idée n'est pas d'avoir une structure centralisée dans laquelle on aurait toutes les données de toutes les disciplines, mais par contre il faut qu'à un moment donné, on ait la connaissance de l'existence des entrepôts, des multiples entrepôts,
pour qu'on puisse accéder aux données de notre discipline. Donc je crois que l'enjeu, ce sera ça. L'enjeu, ce sera le fait de savoir cartographier, référencer l'existence des entrepôts de données. Et ils peuvent être dans un établissement, au niveau national, au niveau européen. Ce n'est pas forcément le sujet. Le sujet, ça, c'est un sujet d'organisation des travaux, de masse critique ou autre. Mais l'idée, c'est vraiment de pouvoir avoir cette vision globale d'existence des entrepôts de données. L'ouverture des données, l'ouverture des publications n'empêche pas une protection de ces données ou une utilisation de ces données dans un cadre commercial. Donc il faut voir que voilà, l'ouverture des données, c'est de pouvoir mettre bien sûr la connaissance à disposition de tous, mais on sait très bien qu'il y a des données sensibles, les données où on a des éléments personnels, et là on a la nécessité d'avoir un travail en amont de préparation de ces données, d'anonymisation de ces données. Donc ça, c'est très important. Il y aura des données difficilement anonymisables. Et donc, du coup, celles-là, on ne pourra pas les diffuser. Il faut absolument protéger les personnes par rapport à ça. On a également des données qui vont être utilisées dans un cadre commercial. Une des activités, bien sûr, de l'université, c'est aussi l'innovation et le transfert par licence, le transfert par création d'entreprise. Et donc là, on est dans un cadre commercial. Et donc, bien sûr, on est obligé, dans ce cadre-là, de protéger, c'est-à-dire de ne pas diffuser un certain temps, un temps déterminé a priori, les données pour permettre cette activité commerciale. Donc, l'ouverture des données n'empêche pas la protection des personnes, bien sûr, et la protection des activités commerciales quand c'est le cas. L'ouverture des publications, l'ouverture des données, la nécessité d'avoir des éditions ouvertes va remettre en cause forcément la notion de review. Une bonne évolution, je pense, dans ce système d'ouverture, c'est qu'on a des systèmes qui se mettent en place avec des reviews ouverts, c'est-à-dire que les collègues peuvent commenter des publications de façon ouverte et sans doute beaucoup plus que lorsque l'on a un article. Et on peut même imaginer que ça se transforme en échange, voire en collaboration. Et ce système d'ouverture, de travail collaboratif par le review, peut être aussi une bonne évolution des systèmes de publication futurs, parce que ça va au-delà de juste un avis, ça peut être aussi un échange constructif, voire des collaborations, et on sent que c'est un système, ce système participatif peut aussi avoir beaucoup d'intérêt pour la science. Au regard de la science ouverte, il va falloir effectivement qu'on modifie nos pratiques d'évaluation de la science, d'évaluation des laboratoires, des établissements, des enseignants-chercheurs et des chercheurs. Et donc, il faut réfléchir à un système qui permette d'intégrer cette nouvelle façon d'évaluer dans nos systèmes académiques. Donc, ce qui est important, et on le voit, on commence à le voir dans certains établissements et dans les organismes de recherche, c'est dès à présent d'intégrer cette notion de publication ouverte dans l'évaluation des chercheurs. Ça se fait au CNRS, ça commence aussi à se faire à Sorbonne Université, c'est-à-dire de penser à l'ouverture des publications à chaque évaluation de personnes, de projets. Pour citer un exemple, on a fait l'appel à projet émergence, donc pour soutenir des nouveaux projets de recherche, et on a demandé aux collègues de répondre à cet appel en ne nous présentant que les publications ouvertes. Et je pense que ça, c'est un mouvement dans l'évaluation aussi, où on considère aujourd'hui uniquement les publications ouvertes dans l'évaluation des chercheurs et des enseignants-chercheurs. C'est quelque chose qui va se mettre en place à travers différentes mesures sur l'évaluation des chercheurs, sur l'appel à projet. Je pense que l'Europe y vient aussi, l'ANR y sera aussi. Donc c'est vraiment l'idée qu'à partir du moment où on évalue les travaux, les projets sur les publications en sciences ouvertes, enfin, ça va forcément inciter les collègues à publier aussi en sciences ouvertes, ou en tout cas à penser à mettre leurs publications à minima dans HAL.